Voilà, chez moi, Adrien Mottier, gardien du SHC Martigny. À la fin, c'est quand même une défaite. Mais le début, je crois, c'était pas si mal pour Martigny. Oui, nous, le plan de match, il était clair. C'était tenir Aubervilliers le plus longtemps, avec un score serré. Pas essayer d'encaisser trop vite. Parce qu'on sait qu'ensuite, ils ont pas l'habitude d'être tenus dans le match. Alors, quand même, encaisser un but rapidement. Après, on a joué un jeu bien défensif, comme on a l'habitude, par exemple, en play-off contre Thiers. Ça a bien fonctionné, mais au bout d'un moment, on a cédé quand même sous l'armada offensive de Aubervilliers, qui était très impressionnante. Pippo, à la fin, pour toi, qu'est-ce que c'était vraiment la différence entre Aubervilliers et Martigny aujourd'hui? Nous, on est néo-promus. On a eu un début de saison difficile à s'adapter au jeu à 5. Maintenant, ça commence à aller mieux. Mais qualitativement, on a quand même une équipe un peu inférieure. Aubervilliers, ils avaient quasiment 4 étrangers aujourd'hui. C'était très, très fort. Depuis des années, ils ont l'habitude de gagner des titres, ce genre de match. Puis ils ont un schéma tactique vraiment au-dessus des autres. Nous, on essaie de jouer simple, défensif, mais ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Bon, maintenant, la coupe, ça, c'est fini pour vous, mais vous avez quand même encore une grande objectif. Vous avez fait le break la semaine passée contre Sierre. Comment sont tes sentiments pour ce deuxième match qui va être dans 2 semaines contre Sierre chez vous? Ça va être très dur. C'est toujours chaud, le derby contre Sierre. Mon premier match, il a été très tendu, ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre, avec un score serré comme 2-1. Maintenant, on va essayer de gagner le prochain match qui est chez nous. On va jouer sur nos qualités, comme d'hab, avec 2 bons étrangers, une bonne défense. Je crois en nos chances, j'espère vraiment aller en demi-finale encore une fois. Ok, merci beaucoup à tout le monde.